Salut l'équipe, c'est Jisan et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup réclamée depuis très très longtemps, peut-être même depuis la création de ma chaîne. Une vidéo pour parler de Xenoverse 3, de mes attentes, mes idées, etc. etc. Alors j'ai mis du temps avant de vous proposer une vidéo entièrement dédiée à ce sujet parce que je trouvais pas l'intérêt d'en parler dans une vidéo complète. À de nombreuses reprises j'ai évoqué Xenoverse 3 en vidéo mais c'était toujours très bref, genre 2-3 minutes dans un JNews, mais jamais une vidéo complète sur ce sujet. Je trouvais pas ça utile vu que j'étais persuadé que Xenoverse 3 ne sortirait pas avant qu'il y ait une nouvelle génération de consoles, puis je ne voulais pas vous vendre du rêve pour rien. Aujourd'hui, c'est différent, la prochaine génération de consoles est annoncée, les prochaines consoles ne vont pas tarder à arriver dans nos salons, donc on peut enfin en parler. Officiellement, on n'a aucune annonce de la part des devs ou de Bandai Namco concernant Xenoverse 3. On a juste eu à un moment Tomoko Hiroki, la productrice de Fighters, qui répondait aux questions de Kayane et qui disait qu'en gros, que c'est pas parce que Fighters était là que la licence Xenoverse allait mourir. Mais en vrai, pour moi, actuellement, cet échange ne me permet pas de dire qu'il y aura un Xenoverse 3. Parce que quand elle disait ça, c'était avant la création de ma chaîne, limite, donc bon. Puis c'était à la sortie de Fighters, ça fait très très longtemps et on n'a pas eu de nouvelles par rapport à ça, donc je le répète, aucune annonce officielle par rapport à Xenoverse 3. L'intervention de Tomoko Hiroki, je la prends juste comme un truc pour rassurer les fans de Xenoverse et éviter qu'il y ait un boycott de Fighters justement de la part des fans de Xenoverse. Après, est-ce que je pense qu'il y en aura un? Oui, clairement, j'en suis même persuadé. Mais c'est pas pour tout de suite. D'ailleurs, s'il vous plaît, arrêtez de me dire un tel a dit ça, un tel a dit ça, lui il a un contact, lui c'est ceci, cela, alors que c'est full fake, c'est terrible à quel point c'est du fake. Faites gaffe aux articles et aux vidéos que vous voyez, demandez des sources, surtout, surtout quand c'est sur YouTube, demandez des sources aux gens, puis ensuite, si vous êtes sûr que c'est fiable, là, vous me relayez le truc, mais ne me demandez pas de réagir à n'importe quoi, à des trucs complètement absurdes que vous voyez sur YouTube, les frères. Je le répète une dernière fois, il n'y a aucune info ou annonce officielle au sujet de Xenoverse 3, mais évidemment, comptez sur moi pour vous tenir au courant quand ce sera le cas. Parce que oui, je pense que ça finira par arriver. Xenoverse 3 sortira tôt ou tard. Si je devais théoriser là-dessus, je dirais que en cette fin d'année ou début 2021, on pourrait potentiellement avoir une annonce à ce sujet, mais ce ne sera pas dans l'immédiat. Après, c'est que mon ressenti. Évidemment, j'espère et j'aimerais qu'on ait Xenoverse 3 le plus tôt possible, mais je préfère pas trop me hyper et pas trop vous vendre du rêve pour rien en vous disant des trucs complètement absurdes que ça sortirait ou je sais pas quoi, qu'il y aurait une annonce maintenant. Non, je préfère rester réaliste. Maintenant, je sais ce que vous voulez savoir, c'est quelles sont mes attentes, mes idées et les trucs que j'espère voir sur un nouvel opus. Je vous avais demandé un peu vos avis, de me dire quelles étaient vos attentes, et en vrai on se rejoint sur beaucoup de choses franchement, donc je vais pas afficher chacun de vos avis, parce que ce serait beaucoup trop lent. Je vais donner un peu toutes mes idées et tout ce que j'aimerais, puis vous, si vous avez d'autres idées que je n'aurais pas dit dans cette vidéo, donc attendez bien la fin de la vidéo, vous mettrez ça en commentaire et on en parlera directement dans l'espace commentaire. Je pense que ce sera plus simple et plus digeste pour vous. Alors, concernant mes attentes, on va faire point par point. Déjà, le scénario, le mode histoire. J'aimerais qu'on en apprenne un peu plus sur la race des démons, sur le royaume des démons. Ça, c'est vraiment quelque chose qui passe un petit peu trop inaperçu, je trouve, dans l'univers Dragon Ball. Et je trouve que Xenoverse, c'est vraiment le lieu idéal pour entrer sur ce point et pour en apprendre un peu plus. C'est vraiment un des points de l'univers Dragon Ball qui m'intéresse le plus. J'ai pas trop d'espoir là-dessus, hein, mais voilà, j'aimerais vraiment qu'on en apprenne un peu plus, qu'on entre un peu plus dans le détail de la race des démons. Parce qu'à la fin du tournoi du pouvoir, t'avais Whis qui nous avait lâché qu'un ange ne pouvait pas ressusciter un être tué par un démon. Mais on n'a rien lu de plus, c'est limite passé inaperçu, sauf que moi, et je pense que beaucoup de joueurs Xenoverse, on a tous pensé directement à Xenoverse, et je m'étais dit que pour un Xenoverse 3, il pourrait partir sur ça, sur une grosse opposition entre les démons et les anges. Je sais pas trop à quoi ça pourrait ressembler, mais j'aimerais bien que ça tourne autour de ça. J'aimerais également qu'on s'intéresse un peu plus au début de Dragon Ball. Même si c'est bref et rapide, comme pour la partie GT, j'aimerais tout de même qu'ils introduisent Dragon Ball sur Xenoverse. Genre Kid Goku, Kame Sennin, Tao Pai Pai et Piccolo Daimao, bien sûr. C'est vraiment ce qui manque le plus à Xenoverse, je trouve. Comment faire un jeu Dragon Ball sans parler de Dragon Ball? Je trouve ça terrible. Donc j'aimerais vraiment qu'ils introduisent Dragon Ball, au moins pour quelques quêtes, je sais pas, mais qu'ils fassent un petit effort par rapport à ça, ce serait bien.
Ensuite, pour ce qui est des races, entre Xenoverse et Xenoverse 2, ils ont ajouté une nouvelle transfo par race. Pour les Saiyens, on pouvait monter jusqu'au SSJ3, c'était la nouvelle transformation pour les Saiyens. Pour les Terriens, on a eu le pro du bâton magique, pour les Namek, la transfo au géant, pour la race de Freezer, le Golden, et pour les Majin, la purification. Ben, j'aimerais qu'ils continuent sur cette lancée en ajoutant de nouvelles transfo pour les autres races. Genre pour les Terriens, je verrais bien une transfo en mode musclé de ouf à la Kamesenin, une transfo qui gonflerait la corpulence du perso, que ce soit pour les femelles comme pour les mâles. Pour les mecs, ça ferait genre comme Kamesenin, et pour les femelles, ça ferait un genre de Biscuit Kruger dans Hunter x Hunter. Ça pourrait vraiment être stylé, puis d'avoir un gros boost en super frappe, mais de perdre un peu de dégâts qui quoi. Je pense qu'un truc du genre pourrait être cool pour les Terriens. Après, pour les autres races, j'ai pas trop d'idées. Enfin si, pour la race de Freezer, on pourrait avoir à peu près la même chose que pour les Terriens. Ce serait un mode genre comme la forme finale de couleur ou full power de Freezer, qui serait une transformation super frappe. Vu que le Golden booste déjà les dégâts qui quoi, je pense que cette transformation pourrait équilibrer la chose. Après, pour les Namek et les Majin, j'ai pas trop d'idées. Mais pour les Majin, on pourrait avoir un truc qui ressemblerait à la transfo de C21. Ça pourrait être sympa pour les Majin femelles. Puis pour les mâles, on pourrait passer de gros porcs à cette forme de boue dans Dragon Ball Super quand ils étaient mis à la musculation pour le tournoi du pouvoir. Ça pourrait vraiment être marrant, puis ça donnerait plus envie de jouer d'autres races que les Saiyens. Parce que là, les Saiyens ont beaucoup trop de transfo différentes comparées aux autres. Les Saiyans ont 4 transfos de plus que les autres. Ça va que le Kaioken et le potentiel éveillé sont dispo pour toutes les races, parce qu'avec le Super Vegeta, le futur Super Saiyan, le SSJ Blue et le SSJ Blue Evolution, les Saiyans se retrouvent avec 4 transfos de plus que les autres. Puis on peut imaginer que le SSJ God pourrait être ajouté sur Xenoverse 3 en transformation supplémentaire pour les Saiyans, donc ça va pas aller en s'arrangeant. Donc j'aimerais vraiment que pour Xenoverse 3, on ait plus de transfos pour les autres races. D'ailleurs, vous avez été pas mal à me dire que vous voudriez le SSJ 4 pour nos avatars. Pour le coup, j'y crois moyen. Pourquoi pas, hein? Je serais pas contre, mais je dois avouer que j'ai du mal à imaginer cette transformation pour nos avatars. Et pareil pour le Migaté, El Famoso Ultra Instinct. Je vois mal cette transformation être ajoutée pour nos persos. Ce serait un petit peu trop cheaté. Enfin, pourquoi pas en vrai, mais il faudrait que le malus ou les conditions soient énormes. Genre que la transfo boufferait très rapidement de l'endurance, mais genre vraiment très très vite, ou que l'on puisse se transformer seulement au seuil de la mort. Genre quand on est en dessous de 25% de santé, là on peut activer la transformation, et là pourquoi pas avec des conditions pareilles, là je pourrais y croire, un petit migaté pour nos persos, là ça pourrait être sympa si c'est bien géré. D'ailleurs, vu qu'on parle des races, de nouvelles races pourraient être sympas, et je pense notamment aux démons, genre Mirato, Ademigra, etc., et aux anges. J'y crois pas trop, hein, mais ça pourrait être cool d'avoir une ou deux races supplémentaires, parce qu'on a vite fait le tour avec les races qu'on a déjà là, donc pourquoi pas anges et démons. Je sais pas si vous avez des idées par rapport à ça, mais ça m'intéresserait de savoir, d'avoir vos avis et vos idées de nouvelles races qui pourraient être ajoutées sur Xenoverse. Moi, anges et démons, je trouve que ça serait cohérent avec si justement, s'il partait sur un mode histoire qui tournerait justement autour des anges et une confrontation entre les anges et les démons. Si le mode histoire tournerait autour de ça, ben, je trouverais ça cohérent qu'on ait ces deux nouvelles races d'ajouter sur Xenoverse 3. En tout cas, c'est que mon avis. Après, n'hésitez pas à me donner le vôtre. Et j'aimerais également qu'il pousse à fond le côté personnalisation de nos avatars. Qu'on ait une plus grosse palette de couleurs, que ce soit pour nos cheveux comme pour nos vêtements. D'ailleurs, pour les vêtements, il y a un truc tout con qui pourrait être fait et qu'ils n'ont toujours pas fait. C'est qu'on puisse changer la couleur de n'importe quelle tenue. Pas juste les tenues de base toutes dégueulasses, genre vraiment toutes. Un peu comme on a au niveau de la personnalisation de partenaires. Qu'on puisse choisir par exemple la tenue de Beerus, mais sur notre perso à nous, puis qu'on puisse mettre les couleurs qu'on souhaite. Et ça pour toutes les tenues. C'est vraiment con comme truc à faire, mais ça pourrait vraiment être bien. Puis toujours sur le côté personnalisation, il serait bien qu'on puisse choisir la couleur de notre aura. Je dis pas de custom, les transformations, etc. Non, mais au moins l'aura de base du perso, genre quand on se charge et qu'on n'a pas de transfo, bah on pourrait l'avoir, etc. Les petits kikwa de base aussi, pour être cool à personnaliser. C'est déjà un petit peu le cas avec certaines super âmes qui changent les kikwa, donc c'est que c'est faisable. Il y a aussi les combos de base du perso, ça pourrait être pas mal qu'on puisse apprendre les coups ou les chops de nos maîtres. Par exemple, là je choisis Beerus en maître, je monte sa jauge d'amitié, et je ne sais pas, une fois qu'elle est à 100%,
Bah, du coup, je débloque sa shop ou ses combos de base pour mon perso. Un petit peu pour ceux qui se souviennent sur GTA San Andreas, on pouvait apprendre de nouveaux styles de bagarre en s'entraînant dans les clubs de chaque ville. Bah, c'est une vieille référence, mais c'est le seul truc que j'ai en tête pour vous faire un peu comprendre ce que je raconte. Bah, j'aimerais qu'il fasse un peu la même chose. D'ailleurs, si on parle de combos personnalisables, entre guillemets, il serait bien qu'on puisse utiliser des accessoires en combat. Genre avec les différentes épées ou le bâton de Whis. Genre si tu mets le bâton de Whis en accessoire, tes combos de base seraient ceux de Whis ou un truc du genre. Je sais pas trop comment ça pourrait être fait, comment ça pourrait tourner, mais ça pourrait être stylé. Enfin bref, voilà pour le côté personnalisation. Voilà, après je pourrais en parler pendant des heures de ce fameux côté personnalisation, vous le savez, mais il y a d'autres points que j'aimerais évoquer dans cette vidéo, notamment au sujet des modes de jeu. Sur Xenoverse 2, on a pas mal de trucs différents à faire, puis avec le temps, les mises à jour gratuites ont apporté de nouveaux modes, tels que le Héros Colosseum, les Crystal Raid, ou encore le mode photo. C'est des modes plutôt sympas qui ont apporté pas mal de temps de jeu supplémentaires, etc. Mais il y a un mode évident qu'ils n'ont jamais ajouté, je sais pas pourquoi. Et pourtant, c'est vraiment évident, c'est un bon gros mode tournoi avec la possibilité de créer nos propres tournois, que ce soit en online ou en local, avec la possibilité de choisir des conditions, genre que des persos du jeu ou que nos avatars, même les maps. Et ça, c'est vraiment le mode de jeu qui manque vraiment, vraiment, vraiment à Xenoverse 2 et qui pourrait potentiellement être ajouté sur Xenoverse 3 du coup. En ce moment, on parle beaucoup du Konton Teikashi Budokai, qui devrait arriver sur Xenoverse 2 via la prochaine mise à jour gratuite, mais je me fais pas trop de films par rapport à ce mode, je préfère complètement abandonner l'idée d'un vrai mode tournoi pour Xenoverse 2, et espérer qu'il soit sur le prochain opus. Puis toujours dans le délire tournoi, j'aurais aimé et j'aimerais qu'on ait un mode Battle Royale, avec le tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super, qui est un Battle Royale. Et l'explosion des Battle Royale au niveau des jeux de tir, je comprends pas comment Bandai Namco ou les devs n'ont pas eu l'idée de mettre en place un Battle Royale sur Xenoverse 2. Peut-être pas 80 joueurs ou quoi, mais genre 10 joueurs qui s'affrontent sur une grosse map en mode chacun pour sa peau, ça aurait pu vraiment être bien, et ça pourrait être une bonne idée de mode, je pense, pour Xenoverse 3. Un autre point, les maps. Il y a quelques maps qui pourraient être cool de voir sur Xenoverse 3, et qui iraient bien avec un mode tournoi. Genre la map du tournoi de l'au-delà, le fameux tournoi où on découvre Paikouan. Puis toujours dans le délire tournoi, t'as celle du match d'exhibition dans l'animé Dragon Ball Super, le fameux tournoi d'ouverture qui opposait l'univers 7 à l'univers 9. Je trouve que ces deux terrains pourraient être bien et qui iraient bien aussi avec un mode tournoi. Après, dans des maps entre guillemets normales, on pourrait avoir la planète de Beerus en référence aux entraînements de Goku et Vegeta avec Whis, et le monde gelé du film Dragon Ball Super Broly. Ça, ce sont des maps que j'aimerais bien voir aussi. Puis pour finir, sur une dernière idée, parce que là la vidéo va durer un petit peu trop longtemps je pense, puis si je continue je vais jamais m'arrêter, j'aimerais que pour Xenoverse 3, on ait un délire de 3v3, où l'on peut contrôler nous-mêmes nos 3 persos, comme on a sur Storm 4, Fighters ou Jump Force. Qu'on garde le même style de jeu actuel où on contrôle qu'un seul perso, mais que dans un mode de jeu à part, qu'on puisse jouer 3 persos et qu'on puisse switcher de perso comme on le souhaite, etc., etc. Je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Je sais pas trop ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner vos retours, vos avis et vos idées que je n'aurais pas évoquées dans cette vidéo. Ce sera un plaisir pour moi de vous lire et d'échanger avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comptez sur moi pour vous tenir au courant des futures news potentielles concernant Xenoverse 3. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.